Good morgen, Aleiden, les tutres aujourd'hui, les Loïnishmat, Mourir Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Aouda, Sarah Batran Arachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah Bat Beti Rivka Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Menachot, Perek Tet, Mishnah Gimel. Revi'it me haïta meshameshet. Revi'it maim la metzora. Orvi'it shemen la nazir. Chatzilog mehaya meshamesh. Chatzilog maim la sota. Vachatzilog shemen la toda. Ovalog aya moded le kol menachot. Afilu mincha shel 60 isaron noten la 60 log. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, afilu mincha shel 60 isaron en la el aluga. Shenemar la mincha le log shamen. Shisha la par. ארבעה לעיל, שלושה לכבש, שלושה ומחצה למנורה, מחצי לוג לכל נר. On avait appris dans la Mishnah précédente qu'il avait sept mesures, sept verres doseurs au Beth Amikdash pour mesurer différents liquides, pour apporter certaines oblations et tout ça, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah. On avait déjà commencé à parler dans la Mishnah précédente du hin, la fameuse dose qui faisait 12 logs. Ouais, vous vous rappelez, Eska, Lav, Gudo, Aifa, Seakav, Log, Beitza. Je le répète tout le temps parce que ça nous aide de voir à quoi ressemble un 9, 54 centimètres cubes, d'accord, centilitres. Et donc, ça fait un Beitza. Vous convertissez ça, par exemple, on va parler de Log, Beitza, Eska, Lav, donc ça fait Aifa, Seakav, Log, Gudo, Dalet. Dans un log, il y a 4 Beitza. D'accord, Efa, Sea, Kav, Log, Beitza plutôt. S'il y a 6, je me suis trompé. Efa, Sea, Kav, Log, Beitza. Donc dans le log, il y a 6 Beitza. C'est le Vav ici entre les deux. Donc vous imaginez, c'est la mesure de 1 log. Et dans un Hin, il y avait 12 log. Donc vous faites la multiplication tout seul. Et pour le moment, on continue notre Mishnah. Donc on avait appris qu'il y avait 6 mesures dans la Mishnah précédente. 7 mesures. On avait appris, on s'était occupé dans la mission précédente, essentiellement du log, ou plutôt du hin, qui est une très grosse mesure, qui fait en fait 12 fois, donc 12 fois 6, ça va nous faire donc, allez, 78 œufs, vous imaginez à peu près le volume, ça fait quoi l'équivalent de deux bonnes boîtes d'œufs, un peu plus, et voilà, deux cartons d'œufs. Maintenant, Revit, Mehaita Meshameshet. À quoi servait la mida du Revit? Maintenant, on va les prendre toutes à l'envers. Ouais, on avait regardé dans la mission précédente, on avait le Hin, Chatsi Hin, la moitié d'un Hin, Shlishita Hin, le tiers, donc 4 logs, Revit Hin, ça faisait donc 3 logs, le log, le demi-log et le Revit log. Et la Mishnah, maintenant, on s'intéresse à savoir le Revit, le quart de log. Mehaita Meshameshet. À quoi servait cette mida, cette mesure, ce verre doseur? Qu'est-ce qu'il fallait calculer avec? Qu'est-ce qu'il fallait mesurer avec? La Mishnah me dit deux choses qui sont Revit Maim la Metzora, Revit Shemen la Nazir. Une première chose, c'est pour le Metzora, pour la pureté du Metzora, hein, il fallait égorger, il fallait apporter, il y a tout un rituel qui est explicite dans la Parashat Metzora en l'occurrence, où il fallait apporter deux oiseaux, en prendre un Revit d'eau d'une autre source et égorger un des deux oiseaux, et puis ensuite tremper l'autre oiseau avec un petit bout de cèdre, avec un bout de chenille, tolate, et tserez ou chenille, tolate, un morceau de bois de cèdre, une branche de cèdre, avec aussi de la soie, quoi, enfin je sais pas exactement, de la soie, et il fallait le prendre et tremper le tout et asperger sur le mitzvah, c'était comme ça qu'on faisait le rituel. Donc là-bas, tu regardes qu'il faut un revi'it de log, une dose de 1 Revit à log, et donc en l'occurrence, la Mishnah me dit, ben voilà, le Revit servait à ça. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est Revit Shemen la Nazir. Le Nazir, il devait apporter lui aussi des pains. Il devait apporter donc des pains, comme le Lachem et Toda, c'est le même principe. Moins de pain que la Toda. La Toda, il fallait apporter 40 pains. Pour le Nazir, je crois qu'il fallait apporter juste 20 pains, si je ne me trompe pas. Et il fallait aussi apporter, donc, mesurer de l'huile. Et pour mesurer l'huile, un revit par pain, et donc elle servait à ça le revit. Voilà ce que la Mishnah nous dit. La Gemara, elle explique en fait, c'est apporté dans le Tiferet Israël essentiellement, un petit peu dans le Tosafot Yom Tov, dans le Chet Shlomo,
pas tant que Barthénois, je ne sais pas pourquoi il n'en a pas parlé, mais il n'en parle qu'à demi-mot en fait. Il y a un problème dans cette Mishnah, c'est que les deux choses qui ont été évoquées, alors ce sont des choses qui ne requièrent pas d'être faites dans la Kdusha, je m'explique. Les verres doseurs du Beth Amikdash, ils ont la singularité que lorsqu'on va faire entrer les choses dedans, les choses vont devenir kadosh. Pour le moment, j'ai de l'eau de source par exemple, ou bien de l'huile. Lorsque je vais le mettre dans l'ustensile du Beth Amikdash, l'ustensile du Beth Amikdash, il est kadosh, il a une sainteté. Et ce que je vais mettre dedans va lui aussi devenir kadosh, il va monter en grade, il va devenir plus kadosh que ce qu'il était. Or, les choses qui ont été évoquées ne requièrent pas d'être faites dans la Kdusha. Par exemple, pour le fameux rituel du Metzora, on n'était pas du tout obligé de le faire au Beth Amikdash. On pouvait le faire en dehors. D'ailleurs, le pire que ça, le Metzora, le lépreux, j'ai pas traduit mon Metzora, excusez-moi. Le Metzora, c'est le lépreux, une fois qu'il a eu la lèpre. Donc le lépreux, il n'a même pas le droit d'entrer au Beth Amikdash, sauf dans certains endroits uniquement. Et donc, en fait, quand la Mishnah me dit de le revite pour le Metzora, c'était pas la peine. Moi, j'aurais pu prendre n'importe quel verre doseur de cuisine pour aller le faire, c'était pas la peine de prendre le verre doseur du Beth Amikdash. Même si concrètement, les lépreux venaient à proximité du Beth Amikdash pour se faire purifier, comme ça c'était plus pratique, on faisait tout le rituel sur place, mais concrètement il n'y avait pas d'obligation, donc en tout cas il n'y avait pas d'obligation d'avoir un verre doseur kadosh. Idem pour le ruvit de l'huile du nazir, les pains du nazir, c'est vrai qu'ils vont devenir kadosh, mais pour le moment lorsque je les pétris et lorsque je vais les faire cuire, eh ben ils ne sont pas encore kadosh, ils vont être kadosh lorsque je vais égorger l'animal. Donc il y a un problème dans la Mishnah, et la Mishnah va me répondre qu'en réalité, la Gemara va répondre qu'en réalité le Révite, il fallait le rendre kadosh et lui l'avoir au Beth Amikdash pour les fameux Chavitei Kohen Gadol, la fameuse oblation du Kohen Gadol, qu'on avait appris, qui faisait la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Il fallait là-bas porter 3 logs. Or, selon la correspondance, un log, il y a 4 beitza. Donc 3 logs, ça fait 12 beitza. Nachon, et alors j'ai un petit problème technique. Non, excusez-moi. Il y a un problème technique. Il fallait 3 logs. Attendez. Elle a mis pnei jenu de Barthénois. D'accord. Elle a mis pnei shaya. Sheba ya moded le chavite kohen gadol. Revit shemen le kol chala ve chala. Shen 12 chalot ve niskem 3 login. Pourquoi j'ai bugué? Ah, non, j'ai converti 2 fois. Tout simplement, il fallait prendre. Donc, le revit. Donc, il fallait le revit, ça veut dire 1/4 de log. D'accord. Pour ma conversion, j'utilisais les beitza. Mais là, on parle pas d'œufs, on parle que des logs. C'était là mon erreur, mais il est 1h15 chez moi, je suis un peu fatigué. Je fais ça rapidement, c'est simple. Il fallait en réalité un revit à log. Il y a 3 logs pour 12 pains, donc chaque log, je vais le couper en 4, et je vais utiliser un log par pain. D'accord. Donc pour pouvoir mesurer, avoir la dose exacte d'huile à mettre par pour chacun des 12 pains, alors j'utilisais ce chassé log, et là, il fallait qu'il soit fait dans la Kdusha. Si déjà elle était kadosh, on l'utilisait aussi pour les autres choses. D'accord. Deuxième partie de la Mishnah, ensuite on continue maintenant. On a expliqué à quoi servait le revit, le quart de log. Maintenant on va parler le chatzi log, la moitié du log. À quoi servait-il? Mehaya meshamesh, à quoi servait-il? Chatzi log maim la sota, la femme qui a un soupçon, est-ce qu'elle a trompé son mari? Le mari la soupçonne, il y a aussi de nouveau tout un rituel de la porte au Beth Amikdash. Elle devait apporter d'abord une première mincha, et puis ensuite, le Kohen prenait de l'eau de source dans un, justement, chatzi log, une dose d'eau d'un demi-log. Il devait prendre ensuite une paracha, un morceau de parchemin où était écrit là-bas toute la paracha de la sota, la tremper dans cette eau, effacer toute l'écriture, même effacer le Shem Hashem. C'est un grand chidouche qu'il fallait effacer le Shem Hashem, même pour faire la paix dans les foyers. Et ça devenait l'eau amère qu'elle devait boire. Ensuite, et si elle avait fauté, elle gonflait, elle explosait. Et si elle n'avait pas fauté, eh bien, elle était, au contraire, elle était bénie ensuite. Elle recevait une bracha spéciale d'enfanter plus facilement et tout ça. Donc, il fallait là-bas une dose d'eau de chatzi log maïm la sota. Et aussi, la chatzi log shemen la toda. Et aussi, pour le korban toda, pour les pains du toda, alors il fallait aussi une chatzi log shemen. D'accord? Utiliser la moitié d'un log d'huile. De nouveau, on a le même problème qui se pose, c'est que ce n'était pas la peine de le faire dans la Kdusha. Ouais. Donc on en a comme précédemment en fait. Pour ces deux choses-là qu'on a évoquées, il n'y avait pas besoin d'avoir de l'eau kadosh, de l'eau sainte, ou de l'huile sanctifiée, puisque de nouveau les pains de la Toda ils étaient sanctifiés au moment où on égorgeait le Korban, et pas auparavant lorsqu'on venait de pétrisser. D'où la réponse, de nouveau, le même principe. Il va falloir dire qu'il y a autre chose, qu'on avait besoin en fait de ce verre doseur
d'un demi-log pour verser l'eau dans la menorah. Comme la Mishnah va nous dire à la fin de la menorah, à la fin de la Mishnah, il y avait sept branches, sept fioles dans la menorah, dans le chandelier du Beth Amikdash, sept, chacune elle avait un demi-log d'huile. On expliquera à la fin de la Mishnah exactement pourquoi un demi-log d'huile. Pour le moment, on continue la Mishnah. Quelque chose d'original, il rapporte le Menachet Shlomo et Tiferet Israël aussi, que Rabbi qui a organisé les Mishnayot, il a oublié tout simplement d'écrire ses halakhot dans la Mishnah. Et une fois qu'il a oublié que les enfants et les Talmidim ont commencé à prendre les Mishnayot par cœur, Rabbi Chia est parti le voir et lui a dit: mais Rabbi, tu as oublié de mettre ça et ça dans la Mishnah. Rabbi n'a plus corrigé les Mishnayot. Il les a laissés tels quels, il a dit: tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Les gens ont commencé à les apprendre par cœur, on ne va plus pouvoir leur dire de changer ce qu'ils ont appris par cœur. Donc du coup, c'est resté comme ça qu'on a des Mishnayot qui manquent. Mais la Gemara nous précise qu'il manque ces deux halakhot importantes. Au valog, maintenant, on a fini avec le quart de log, le demi-log. Maintenant, on continue à le prendre. On va arriver maintenant au log. À quoi servait le log? Bien évidemment, au valog, il y a un modèle de l'école à Menachot, toutes les Menachot, toutes les oblations, elles, on les mesurait avec la mesure qui faisait un log. Toute mincha, il fallait un log shemen, un log. D'accord? Le log, il est explicite dans la Torah. Il y a deux mesures explicites dans la Torah qui sont le hin, il y a l'aïfa, le hin, et le log. Ensuite, Afilo, alors maintenant la Mishnah précise, Afilo mincha shel shishim isaron, noten la shishim log. Sache que même si tu vas vouloir apporter une oblation avec 60 isaron, une quantité gigantesque, ça va faire l'équivalent de, pour la mesure sfarad, 1,610 kg multiplié par 6, ça va faire l'équivalent de 90 kg à peu près de farine. Il va apporter une méga oblation, méga mincha, et ben malgré tout, tu devrais utiliser ce verdoseur de 1 log et l'utiliser 60 fois. Et ne pas chercher, par exemple, le hin qui faisait 12, tu aurais pu prendre celui-là et l'utiliser 5 fois et puis tu as atteint les 60. Non, tu prends 60 fois, tu vas faire le transfert parce qu'il faut spécialement la mesure d'un log. D'accord? Afilo mincha shel shishim, donc je reprends, afilo mincha shel shishim isaron. Même une mincha, une oblation qui fait 60 isaron, notanela shishim log. Il faudra lui mettre 60 fois la mesure d'un log. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Afilu mincha shel shishim isaron, en la el aluga, shene'emar, le mincha velog shamen. Rabbi Elazar ben Yaakov, lui, il nous dit autre chose, il te dit: tu sais, je veux dire, tu te trompes complètement. Même si tu apportes une oblation de 60 isaron, si tu le considères comme une seule oblation, eh bien, tu mettras un seul log. Il y a un passou qui lui dit le mincha velog shamen. Par mincha, peu importe ce que tu as inclus dans la Mishnah, la dose d'un isaron, c'est la dose minimale, mais si tu as décidé de faire une mincha encore plus grande, avec plusieurs isronotes, tu mettras toujours un seul log shamen, d'accord? La halakha n'est pas établie comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Ensuite, on a fini maintenant avec, regardez dans la Mishnah précédente, on avait justement, donc on avait le hin, et puis on avait chatzi hin qui font donc 6 logs, 4 logs et 3 logs, et la Mishnah maintenant va me préciser à quoi servait-il. On les a déjà évoqués dans la Mishnah précédente par rapport à Rabbi Elazar bar Tzadok. Maintenant, on va les reprendre tout simplement et les expliquer et les expliciter. Shisha, la part, la dose de 6 logs qui font donc khatsi hin, il le fallait pour le part, comme ce qu'on le dit dans le korban de quand on le fait le moussaf de Rosh Chodesh. Beniskehem khatsi hain, il y a la part, ou shlishit hain, il y a la hain, ou vit hain, la kevesi hain. Ouais, maintenant, c'est vrai qu'on utilise le mot, on parle de vin, mais en réalité, il y a la même dose d'huile en parallèle avec le vin. L'huile, on va la mélanger dans la mincha, le vin, on va le verser tout seul. Il y a les mêmes doses, d'accord? Donc, de ce fait, shisha a la dose de 6 log, donc khatsi hin, pour un par, lorsque tu vas porter un korban, un taureau. Arba a la ail, la dose de 4, donc shlishit ha'in, tu vas l'utiliser pour un ail, pour un bélier. Ou shloncha la keves. Et la dose de 3, tu vas l'utiliser pour un mouton. Ensuite, la Mishnah continue, me dit shloncha ou mechetza la menorah, mechatsi log lechol ner. 3,5 pour la menorah, pour allumer le chandelier. Mechatsi log lechol ner. À partir de 1,5 log, parce qu'il fallait mettre 1,5 log par fiole. Pourquoi 1,5 log par fiole? Très simple. Bartanon nous explique. Chachamim, ils ont calculé qu'il faudra mettre Me'er Evad Boker. Il faut allumer la menorah depuis le soir. Vous savez, on a fait, une fois qu'on faisait le korban tamid,
Shel Ben Arbaim, l'holocauste perpétuel, en bon français. On la faisait l'après-midi. Le Kohen allait ensuite allumer le chandelier qui devait être allumé toute la nuit jusqu'au petit matin. Ou là-bas, on allait faire le Korban Tamid Shel Shachar. Alors, la dose requise moyenne lorsque le soleil il allait à l'équinoxe, on a les journées comme en ce moment, c'est presque identique. Le net à Jérusalem, là, la semaine dernière, c'était 6h30 l'Ashkia, 6h30 le net. On a atteint le parfait équinoxe, je crois que c'était à peu près dans Simchat Torah, c'était à peu près le. Alors, lorsqu'on a une journée comme ça qui fait exactement 12 heures, pour que l'huile. Alors, il faut une dose de 1 demi log pour que la fiole brûle toute la nuit. Maintenant, il y a un petit problème technique. Donc, d'abord, premièrement, d'où le khati log, il fallait mettre la même dose toute l'année. Maintenant, étant donné qu'il y a des fois des nuits où. Qui sont plus longues, en l'occurrence quand on va entrer dans l'hiver, la nuit elle va s'allonger, elle va tomber jusqu'à 14 heures par nuit, eh bien on avait une solution, c'était d'utiliser une mèche plus fine. Tu utilises une mèche plus fine, ça dure plus longtemps. Et en été, lorsque la nuit est plus courte, on prend une mèche un petit peu plus grosse, donc ça pompe plus vite l'huile, ça finit plus vite le verre, et comme ça en fait, on a l'avantage d'avoir toujours la même dose, qui est une dose requise moyenne pour une nuit, lorsque la nuit elle est moyenne, et on a ensuite d'autres moyens pour accélérer un petit peu la combustion et faire en sorte que ça va rallonger ou raccourcir l'allumage. D'accord ? On a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine. D'Hatzlacha Kol Tov. Salam.